C'est un hadith qui est rapporté par Hazrat Talha ibn Ubaidillah. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الند سائل الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. لي دونك لو حديث كي سوي كي رابورتي بار حضرت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. Avant de traduire le hadith et de commencer ce hadith, voyons tout d'abord qui est le narrateur de ce hadith. Son prénom Talha, fils de Ubaidillah, fils de Osman, radiallahu ta'ala. Il a été surnommé Abu Muhammad al-Qurashi al-Tamimi. Hazrat Talha, radiallahu ta'ala, fait partie des Ashara Mubashara. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Ashara Mubashara, ce sont 10 compagnons, entre autres parmi lesquels figurent Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, Hazrat Osman radiallahu ta'ala, Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Ces quatre grands compagnons figurent aussi. Ce sont en fait 10 compagnons qui, à un moment donné, à la sortie de la mosquée, étaient assis ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de la mosquée. Ses compagnons étaient assis, ils étaient 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés un à un, a pris leur nom un à un, et il a dit Abu Bakr fil Jannah. Car Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il ira dans le paradis. Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il ira dans le paradis, et ainsi de suite. Il a pris le nom de ses 10 compagnons, il les a donné cette bonne nouvelle que vous serez dans le paradis. Étant donné qu'ils étaient 10, ils ont eu la bonne nouvelle du paradis, on les surnomme les Ashara Mubashara. Ashara qui veut dire 10. Mubashara, c'est la personne à qui a été donnée la bonne nouvelle. Donc Ashara Mubashara, les 10 qui ont eu cette bonne nouvelle. Et Hazrat Talha radiallahu ta'ala, il fait partie de ces Ashara Mubashara. À part ces 10 compagnons, beaucoup d'autres compagnons ont eu cette bonne nouvelle d'aller dans le paradis. Par exemple, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, où il dit que ce sera la première personne à entrer dans le paradis avant même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera sur sa monture. Et cette monture sera tenue par Hazrat Bilal radiallahu ta'ala. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, il prend la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait entrer cette monture dans le paradis. Donc automatiquement, avant même que la monture ne soit entrée dans le paradis, la personne qui tient la corde devant, il mettra le pied en avant. Donc par rapport à cela, certaines personnes disent que c'est Hazrat Bilal radiallahu ta'ala qui entrera en premier dans le paradis. Donc automatiquement, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, il fait partie des gens du paradis. Mais des personnes disent, oui, mais s'il fait partie des gens du paradis, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie des Ashara Mubashara? La réponse est simple, c'est ce que nous venons de donner. Les Ashara Mubashara, c'est qu'ils étaient 10 à ce moment précis. Comme cela s'est passé, pour se rappeler de cette histoire, nous avons donné ce nom de Ashara Mubashara. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que ces 10 compagnons qui ont eu cette bonne nouvelle du paradis. D'autres compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ont eu à d'autres moments la bonne nouvelle aussi du paradis. Mais à ce moment, c'est leur histoire qui est relatée, ou aussi une anecdote qui est relatée, mais ils ne pourront être appelés les 10 qui ont eu cette bonne nouvelle, car ils étaient présents à ce moment précis. Hazrat Talha radiallahu ta'ala, il a eu, de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 surnoms. Le premier surnom, c'est dans la guerre de Uhud.
Il a eu ce surnom de Talha al-Khayr, Talha le bien. Dans la guerre de Tabouk, il a eu le surnom de Talha al-Fayyad, Talha le généreux. Et dans la guerre de Khandaq, il a eu le surnom de Talha al-Jawad. Hazrat Talha radiallahu ta'ala a accepté l'islam suite à l'invitation de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il fait partie des premiers à avoir accepté l'islam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala l'a invité via cette si belle religion. Il l'a accepté et après cela, ils se sont tous les deux rendus dans la cour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à toutes les campagnes qui ont été lancées par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part la première des campagnes, la guerre de Badr. La guerre de Badr, Hazrat Talha radiallahu ta'ala n'y était pas. La guerre de Badr où les compagnons étaient 313, radiallahu ta'ala. Hazrat Talha radiallahu ta'ala était déjà musulman, mais il n'a pu se rendre dans cette guerre. Il était prêt, il voulait y participer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, au lieu de l'appeler vers la guerre de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé en direction de la Syrie. En fait, il y avait une personne nommée Abu Sufyan, des habitants de la Mecque, il avait sa caravane. Il a envoyé Hazrat Talha radiallahu ta'ala anhu en tant que espion, pour voir ce que Abu Sufyan lui jetait avec sa caravane. Est-ce qu'il ne voulait pas attaquer les musulmans? Est-ce qu'il ne voulait pas commettre un mal ou faire quoi que ce soit aux musulmans? Donc étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confiance en Hazrat Talha radiallahu ta'ala, il l'a envoyé en direction donc de la Syrie pour voir ce que Abu Sufyan faisait avec sa caravane. Avec lui, il n'était pas seul. Avec lui, il y avait aussi Hazrat Sa'id ibn Zayd radiallahu ta'ala. Donc, sur les ordres du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis. Et ils sont aussi revenus ensuite avec les renseignements que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de ramener. Mais à leur retour, la guerre de Badr était déjà terminée. Étant donné qu'ils étaient prêts à participer à cette guerre, mais que c'est pour une raison précise que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés vers la Syrie, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin de guerre, il a donné à ses deux compagnons, Hazrat Talha et Hazrat Sa'id ibn Zayd radiallahu ta'ala anhuma, une part dans le partage du butin. Et il les a aussi donné cette bonne récompense, qu'ils ont la même récompense que les combattants de Badr. Il faut savoir que cette guerre de Badr était une guerre très difficile. C'était la première guerre des musulmans où ils étaient en infériorité numérique et seul Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés à ce moment. Chaque compagnon de Badr ont eu cette bonne nouvelle d'avoir le paradis, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une guerre où il y a eu énormément de récompenses. Et chaque personne qui n'a pu participer à cette guerre n'a cessé de s'en vouloir et de regretter ce manque. Hazrat Talha et Hazrat Abu Sa'id radiallahu ta'ala, Sa'id ibn Zayd radiallahu ta'ala anhuma, malgré qu'ils ont eu les récompenses, malgré qu'ils ont eu une part du butin, eux aussi, ils n'ont cessé d'être attristés de leur absence dans cette guerre. Mais lorsque, un peu plus tard, s'est déroulée la guerre de Uhud, où là les Mécois, ils ont voulu prendre leur revanche à la première guerre, à ce moment, Hazrat Talha radiallahu ta'ala, il a mené un tel combat. Il a montré une telle bravoure que lorsque les musulmans étaient dans la difficulté, ce n'est que Hazrat Abu Talha radiallahu, ce n'est que Hazrat Talha radiallahu ta'ala qui a réussi à tourner la balance, à faire tourner cette guerre de façon à ce que les musulmans ne soient pas massacrés. Il faut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, lors de la guerre de Uhud, les musulmans ils ont pris le dessus sur les non-musulmans. Mais il y avait à un moment donné une petite colline. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très fort, qui était très bon aussi dans les combats, il a eu cette
bonne idée ou cette lucidité de placer des archers sur cette colline. Ils avaient demandé de ne quitter cet endroit tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donnait l'ordre de quitter. Et ces archers étaient tellement bien placés qu'avant même que les ennemis de l'islam ne puissent attaquer les combattants en bas, ces archers faisaient pleuvoir sur eux des pluies de flèches. Ils ne pouvaient donc attaquer les musulmans comme ils se devaient. Ils étaient obligés donc de fuir. Ces ennemis de l'islam, ils ont tous fui en laissant parfois des armes, parfois des animaux, ou des butins, etc. Ils ont laissé sur place, ils ont fui pour sauver leur vie. Ces archers qui étaient en hauteur, ils se sont dit que la guerre est terminée. Donc ils ont dit que maintenant que la guerre est terminée, retrouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas. Certaines personnes ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de quitter cet endroit. Ceux qui voulaient quitter cet endroit, ce n'était pas par lâcheté, mais ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne quitter cet endroit tant que la guerre ne se terminait pas. Même si les musulmans perdaient en bas, nous, de rester en hauteur et de faire le même travail, faire pleuvoir des flèches chez les ennemis. Mais maintenant que la guerre est terminée, à quoi bon rester en haut? Donc certaines personnes ont quitté leur poste, ils sont partis retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas de la colline. Et d'autres sont restés selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en haut.